Enfin, justice lui est rendue. Depuis que j'attends ça, c'est que ça vient. 7 heures de douleur. C'est la fin du cauchemar aujourd'hui, oh, Monique. Oui, c'est la fin du cauchemar. Oh, mon Dieu. Est-ce que la justice a répondu aujourd'hui aux questions que vous vous posiez et qui étaient restées sans réponse? Est-ce que c'est ce que vous pensez? Oui. Plus que je n'espérais. Honnêtement, plus que je n'espérais. J'ai le sentiment véritablement d'un simulacre de justice, hein, je le dis clairement. Voilà pourquoi je disais que j'étais un petit peu désespérée, parce que si l'on condamne Guéric Jehanot avec les éléments qui sont au dossier, bah, alors je ne sais pas dans quel cas on acquitte. Il n'y a plus d'acquittement possible. Je pense qu'en ayant pris 30 ans, il va peut-être réfléchir et peut-être qu'il va nous dire où il a mis son corps. Pour moi, c'est primordial, au-delà de cette culpabilité qui a été reconnue, c'est qu'il nous dise où il a mis le corps, qu'il avoue et qu'on puisse enfin avoir une paix qu'on a tant méritée.